sprint, défendre sur Miguel, tu restes dans la 45, tu peux partir de la zone. Ok, je vais t'envoyer la balle, il va arriver sur ton deux hommes. Ivan, ça va déjà arriver, s'il arrive comme ça, tu tires. Et derrière, tu m'exploites le club. Un contre un. Peut-être qu'il va faire la différence, il va finir en layup, sur du power et tout ça. Après, ce sera à moi d'intervenir. Ok? C'est bon? Miguel, quand t'as fini ton programme, c'est fini. Pour l'instant, je prends le rebond, il n'y a qu'un tir. Tu prends ton rebond, Miguel, depuis là-bas. Tu enchaînes. Tu fais un coup de rebond en bas, là-bas, depuis le dernier. Et là, tu vas avoir une différence finish. Peut-être que tu vas le prendre de vitesse, d'accord? Et tu vas finir sur un layup. Peut-être que vous allez arriver à deux ici. Et si tu as un power pour faire sauter, il y aura différentes choses. Peut-être qu'il va t'attendre, tu vas faire un jump shot. Ok, un petit peu pas décalé, il y aura plein de finitions différentes. Ok, on passe. Merci au dernier. Jordan, tu prends le rebond, tu fais l'en bateau, et on donne le sprint à 45. C'est bon sur ça? Si je veux travailler le tir extérieur avec une pression défensive, quand Ludwig il donne la balle, j'enchaîne, je fais en sorte qu'il soit à la bourre. D'accord? Comment c'est que vous voulez travailler le tir? Là, à votre avis, je vais faire quoi comme type de passe? Vas-y, cours, cours. Ouais. Je peux faire des passes de merde, c'est moi qui décide. Vous voyez? Après, j'aurais pu faire partir le big d'un autre spot. C'est juste pour vous faire comprendre que sur un même exercice, bah, je peux travailler d'autres choses. Ok? Et je suis pas obligé de me prendre la tête à rentrer 150 épisodes. On est pas fait? Il faut un coach pour intervenir sur les finitions qui sont là. Stéphane. Et Sophie. J'interviens dans rien, je suis pas seul. Si à un moment donné il y en a un ou deux qui va arrêter l'exercice, je suis simple joueur. Il faut leur donner les consignes, je vais arrêter. Ok, je fais ça 4 minutes. Top, vous comptez vos points, j'ai envie de savoir qui est le meilleur joueur d'un contre un. Donc, il y a faute, ça tombe bien. Un tir sur deux, ils peuvent tirer à 3 points.
et tire-toi. D'accord. La deuxième chose, c'est sur un appui, c'est moyen. Il y a plusieurs fois, il doit finir sur un power. D'accord. Intervenez, stoppez le truc. Hein. Vraiment, si vous voulez avoir l'examen, c'est sur ça qu'il faut faire les efforts. J'ai aucun doute sur votre volonté de travailler tout ça. C'est le terrain qui fait la différence. Bonjour. Les plots, c'est l'intérieur. Si je pars comme ça, quand on a des cycles pas sur dessus, c'est que moi, je pars en corner. À votre avis, lui, il veut aller où ? Il faut pas aller. Il pleure ? Il part sur pas loin. Ah ouais, putain, et quand je vous dis il se déplace, c'est un appui, hein, ça va super vite. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, moi, je dépends ici, je suis là. Donc Antoine se fait avoir, et moi j'ai la possibilité peut-être d'empêcher ce tir-là. Même si mon coach il m'a dit on change pas, je vais peut-être y aller quand même un petit peu. Ah non, Antoine il va quand même, merde, mon joueur il est venu chercher la balle, là je suis dans la merde. D'accord ? Si vous faites ça, Antoine après, Antoine se fait avoir, moi je vais pas aider, parce que j'ai pas envie que ce soit mon joueur qui arrive ici et qui finisse là. Vous voyez un petit peu ? Et c'est pareil partout. L'action qu'on a montrée juste avant, d'accord ? Je vais le suivre. Antoine, il voit que je le suis. Il va curler. Qu'est-ce qu'on va faire, défenseur-là ? À votre avis, moi je défends ici. On reprend Antoine. On met la balle là-bas. Louis, défenseur Antoine, je le suis. On reprend Antoine. Je suis là, je suis là, je super vite, hein. D'accord. Et là, il faut avoir des bons joueurs là-bas, qui regardent pas ce que font leurs potes, mais qui regardent ce que font la défense, ce que font les défenseurs, ce que fait la défense. D'accord. C'est bon. Ce qu'il faut retenir, et on va terminer avec ça, pour l'instant, juste avec les passeurs et un attaquant et un défenseur, et on va commencer tout de suite comme ça, vous retenez deux types de défense sur ce écran-là. Soit la défense suit, et donc, là, Antoine a le choix soit de curler, soit de sortir normalement. D'accord ? Soit la défense passe au-dessus. Bon, il y a le défenseur en bas, il prend l'écran. Je suis persuadé qu'il prend l'écran pour la 45, il prend l'écran en vrai. D'accord ? Et dans ce cas-là, il va se plier, il va sortir, s'écarter. Ok ? Pourquoi je suis obligé de contourner l'écran, tourner comme ça. Et là, pareil, il y a un avantage. Ça marche ? Trois passeurs. Le reste sert. Vous vous amusez, vous mettez 3 plots, 4 plots, je ne sais pas, vous ne pas prendre. Vous en mettez 15. Défenseur comme attaquant, vous n'avez pas le droit de toucher les plots. Comme ça, vous sert. Deux appuis, capable de prendre son tour. Louis, il va à la passe et Louis, il se prend.
arrêter l'extérieur. On va partir du principe où vous jouez sur un joueur diamant, d'accord? Et ici c'est le banc, vous ne pouvez pas curler. Si vous prenez le tir en curlant, vous le prenez comme ça. Vous allez remonter au niveau du cou ici pour recevoir et prendre le tir là. Ça marche? Ok? C'est bon? Allez, go! Il faut être au taquet, hein. J'ai pas de défenseur sur vous, let's go. Boum. Très bien. Let's go. C'est compliqué de les intégrer dans certains niveaux parce que c'est cool. Bon, par contre, pas grand chose. Si vous entraînez pas au moins 4 fois par semaine, vous pouvez l'expliquer, mais après, c'est faut pas partir là-dessus quoi. Parce que déjà, il faut savoir lire. Je suis obligé de vous montrer ça, hein, parce que c'est... Il faut savoir lire ce qui se passe sur l'écran. Il faut que une passe correcte arrive sur vous, que vous vous organisiez correctement au niveau des appuis. Pour pouvoir exploiter un retard d'une ou deux secondes. C'est du boulot, hein, tout ça. D'accord? Mais on est obligé d'apprendre ça, parce que si vous voulez passer un cap, bah forcément, vous doit y être. Ok, donc on va reprendre la base. Je vous ai montré un mouvement, on va tout revoir. On va passer un peu moins de temps sur le terrain. Mais on va y aller. On va dessiner la raquette. Et vous allez me dire quelle... type d'écran vous connaissez, d'accord, qui soit basket, qui existe pour mettre un joueur extérieur en valeur sur un tir. L'intérieur, en ce qui est marquant, il a cherché le bloc du numéro. Vas-y, viens dessiner. Comme ça, on verra aussi les. Mais tu es con plus là, je peux dire. C'est l'écran qu'on a là. Alors généralement quand on a ça, vous voyez, il y a le petit trait plein là. Là on va revenir, là-bas c'est toujours les espaces. Hein. D'accord? Si votre intérieur il se met là comme dit Sophie, qu'est-ce qu'elle va faire la défense? Ça va passer au-dessus. Imaginons, lui il va essayer de passer dans le trou de souris qui est là. Il n'y a pas d'espace. Vous voyez? Donc c'est tranquille pour la défense. Donc quand vous avez une intention de vous démarquer avec un intérieur, ok, il faut que l'intérieur il soit haut. Ça marche? De ce fait là, si votre intérieur est haut, ok, vous avez un défenseur. Qui est ici, la balle elle est là, s'il est haut et que le défenseur choisit de passer au-dessus,
la distance est beaucoup plus grande. D'accord ? Pour lui, pour revenir. C'est bon ça ? Là, j'ai vraiment deux options. Ok ? Si vous voyez, alors ça va peut-être trop loin, mais c'est important que vous le sachiez. Si vous voyez que vous avez un système comme ça, vous coachez des seniors, et que vous voyez que la défense, à chaque fois, elle passe au-dessus, qu'est-ce que vous allez demander à ce joueur-là ? Lui, c'est votre shooter numéro 1. D'accord ? Ouais. Tous mes systèmes commencent avec lui en dessous du panier, qui prend un écran d'un côté ou de l'autre. Et au match aller, putain, ils sont toujours passés au-dessus, et lui, il n'a jamais compris qu'on n'a jamais eu assez d'espace. C'est ça. On est plus de retard à... C'est ça. Alors ça, il faut faire attention à ça parce que faut le faire au bon moment, faut pas qu'il y ait d'écran mobile. Mais je peux tout simplement dire à mes joueurs en début de match, écoutez, au match aller, à chaque fois les mecs ils sont passés au-dessus. Ok. Donc maintenant, au lieu de vous mettre là, on va vous poser l'écran ici. Et ça agrandit encore plus la distance ici. Ça marche ? Donc cet écran-là, comme l'a montré Sophie, ça, ça n'existe plus. Parce que ça prend trop de temps. D'accord ? Ce qui existe, c'est avoir un mec par exemple qui est peut-être la balle allée ici, il est là, il ne peut pas se démarquer, il va faire une longue coupe comme ça. D'accord ? Et là, il peut y avoir un écran sortant, effectivement, et voilà. D'accord ? Et puis là, il peut aussi s'arrêter, puis dire, bah tiens, je repars par là, ou ça, on va le voir après sur le terrain technique. Ok ? Il y a ça. Ou alors, vous avez ce que tous les clubs, on va dire, à partir de National 2 font, c'est le système en diamant, ils appellent ça. Système en diamant, c'est que vous avez un intérieur là, l'autre intérieur là, le meneur qui est là, un extérieur ici, un extérieur ici. D'accord ? Et là, vous avez un système qui met vos deux joueurs extérieurs en valeur tout de suite. Souvent, c'est celui du bas qui choisit. Je vous la fais simple, hein. Voilà. Et derrière, il y a plein de variantes. Ok ? Mais on commence comme ça. Et là, tout de suite, bah, vous avez une lecture qui se fait sur cet écran-là. D'accord ? Et une lecture qui se fait sur cet écran-là. Donc là, je vous ai montré un deuxième type d'écran qui existe pour mettre le joueur extérieur en valeur. C'est celui-là. Ça marche ? Donc en gros, celui-là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est... on dit souvent, c'est l'écran pour aider à se démarquer. Le démarquage classique dans l'aile, il ne fonctionne pas. Bah, je mets un intérieur qui va m'aider à prendre un temps d'avance. Ok ? Pro B, ton meneur le fait souvent, ça. Et tout le monde. Ouais. Pro B, tout le monde. Tout le monde. Ce qui change, c'est ce qui se passe après. Ouais. Et tout le monde fait ça. D'accord ? Mike. Oui. Cadeau. Merci. Ça va galérer. C'est le mec qui comprend. Hein. Ok ? Alors, je sais pas si je dois vous montrer les autres écrans et vous embrouiller. Quand vous tirez, ah, je vais pas vous embrouiller, d'accord ? Quand vous tirez le tir d'un joueur extérieur en sortie d'écran, vous me prenez celui-là, d'accord ? Donc ça peut être très simple, hein. Ça peut être dire, vous avez un intérieur, si à un moment donné vous voulez finir sur du jeu à 3, vous prenez pas le chou, hein. Si vous mettez un extérieur ici, vous mettez un extérieur ici, vous mettez un ailier ici, vous lui dites automatiquement de jouer le backdoor et de prendre l'écran ici, et voilà. Et vous travaillez que sur ça. Ok ? Point barre. Vous embêtez vraiment pas avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est les lectures et ce que vous allez donner. C'est... On change d'aile. Mais d'être dans une aile et rester dans la même aile avec un écran... Ça existe aussi. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il va passer plus sur de distance. Quelle distance ? Forcément, si on reste d'un côté sur un côté du terrain, il y aura moins de distance entre. Tu veux dire quoi ? Ça veut dire ? Moi, je suis ici au départ. Ouais, attends. Ouais, voilà. Et je fais ce que Sophie a dit. Je sais ce qu'elle a dit, Sophie. Sophie, elle a dit je viens ici et après, je repars du même côté. Ça existe, hein ? Ça existe, mais ça peut être chiant, hein ? Parce que là, si mon intérieur, c'est un malin, quand je viens ici, boum, tu m'as attaqué. Ça va être dur d'avoir la balle ici, mais il s'est déjà pris un taquet.
Au moment où il revient sur moi, repart, boum, un deuxième taquet, on peut fonctionner. Ce que je dis, c'est que c'est long. C'est long. Et parfois, surtout à n'importe quel niveau, de toute manière, il y a des mecs qui font la différence juste sur leur vitesse. Là, ils ont accéléré, ils ont déjà un demi-mètre d'avance, ils se prennent un petit taquet, ils continuent la vitesse. Là, lui, il est seulement sous le cercle à ce moment où je suis là. Et il se reprend un taquet derrière, si la défense elle ne réagit pas, forcément lui, il aura le temps de tirer. Vous voyez ? Si vous ne faites pas la différence sur votre vitesse, je vais essayer de rester dans ma démarche parce qu'après je pars dans tous les sens. Si vous ne faites pas la différence sur votre vitesse, c'est sprinter, arriver ici, hop, peut-être faire demi-tour pour reprendre un écran ici, d'accord, ou stopper pour lui mettre boum, attaquer et repartir. Ouattara, c'est super bien ça, vous regarderez, il le fait de mieux en mieux. Si vous venez voir les matchs, quand il joue sur ça, à un moment donné, il est capable de s'arrêter, de mettre un taquet au joueur, ça c'est dur, hein. Parce que là, il vient de s'en prendre un, d'accord, il suit notre joueur, il est toujours au coude à coude, il a pleine vitesse, et lui s'arrête. Ouh, il s'en prend un coup. Et pendant qu'il se rééquilibre, bah, notre joueur, il repart. Il repart, et lui, boum, il se reprend un jetard. D'accord, après, quand on dira que le basket n'est pas physique, voilà. Ok, je vais essayer de globaliser, on posera les questions après. Tir pour un joueur extérieur en sortie d'écran, vous ne prenez pas le chou, vous faites ça, comme pour un démarquage, d'accord? Donc l'idéal, c'est que vous faites partir ou de l'opposé, ou vous emmerdez pas, vous le faites partir de sous le cercle. Les deux existent, et on ne vous dira jamais que c'est pas basket, ok? Là, on passe à cap, hein, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Tu peux pas faire ça sur 10 minutes, c'est obligé de Il faut obliger, quand vous avez ça en PEDA, il faut obliger la défense à faire une défense au départ. Ok, pour que les joueurs puissent travailler là-dessus. Les plots, c'est bien, mais c'est vraiment la base et c'est pas véridique. C'est bien de travailler tout de suite avec un intérieur. Ok, première chose, bien placer l'intérieur. Donc on va dire, son appui extérieur, il est sur le sommet du bloc là, de la raquette. C'est bon ça ? Pour qu'on puisse avoir les deux options. Le défenseur va être ici. Je vais demander la balle, c'est la première des choses. Si on ne voit pas la balle, je peux toujours la voir. Ok. Pour l'obliger à faire un choix de voir le ballon. Et travailler pour prendre l'écran. Ouais. Vous retenez deux types de défense pour ne pas vous prendre le chaud. La première, c'est le défenseur suit. C'est-à-dire qu'il court après l'attaquant. Quand il y a ça, la réponse normalement, c'est de se servir de l'intérieur pour curler, ça s'appelle. Faire un curl. Je parle pas anglais pour vous embêter, il n'y a que ça comme terme. Pour avoir un temps d'avance et recevoir la balle. Ici, ok. Ou la défense va passer au-dessus de l'écran. Donc imaginez l'écran comme un mur. Et là, au lieu de se prendre le mur, le gars, il décide de passer au-dessus pour rattraper le joueur en imaginant qu'il va arriver comme ça. Et là, la lecture, c'est d'être capable de lire ce qui se passe, de marquer un petit temps d'arrêt ici pour voir que le gars passe au-dessus et boum, changer de direction pour l'obliger à faire tout ce chemin-là et donc avoir plus de retard. Ok ? Ça, c'est le B.A.B.A. Vous devez vite l'intégrer. Okay, je suis un joueur extérieur, je prends, ça s'appelle un écran sortant, parce que je m'écarte du cercle, d'accord, retenez, hein. Écran sortant, écran rentrant, on verra après rentrant. Je prends une plaque américaine, d'accord, connue pour ce mouvement là, ok, passe, et je vais porter un écran pour le temps, un écran. Un écran rentrant. D'accord ? Pourquoi on dit un écran rentrant ? Parce que la jambe va vers le sol. D'accord ? Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Si son défenseur, il se fait avoir par cet écran-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Ou lui, bas niveau, il laisse passer cette fois. D'accord ? Il y aura les aides à l'opposé, mais c'est une galère. Ou à un moment donné, il va faire ce qu'on appelle un bump.
moment-là, moi, si je veux enlever une faille, qu'est-ce que je fais? Pendant le bump, je sors. Et là, je suis seul. Et là, je peux tirer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Pas en pro, parce que les bumps, c'est de plus en plus rare. D'accord? Mais à niveau régional, pré-national, même national 3, national 2, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, la sanction, c'est si lui, il a besoin de mon aide pour arrêter son joueur, l'intérieur est capable de tirer en s'écartant au moment de la prise d'aide. C'est bon ça? D'accord? Donc là, c'est pareil, il peut mettre une situation. Ça, bien, d'accord? Je vais poser l'écran. D'accord? Ça bug, quoi qu'il arrive, généralement, cet écran-là, je sors, je vais m'organiser et passer, prendre le jeu. Bien, tu peux? C'est bon ça? Non, je comprends pas toi. Encore une fois, si tu veux enlever la défense, il faut qu'on ait des points bien d'accord. Le point de défense, tu vas là-bas. Si ton joueur est pris dans l'écran, le mien va devoir intervenir. Si je veux accentuer le retard, si toi tu pars par là et que le mien intervient sur toi, tu viens ici, s'il ne change pas, forcément j'ai un problème. D'accord. Toujours le jeu là qu'il faut comprendre. Vous voyez un petit peu? Donc quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette idée de il me suit, je peux curler, il passe au-dessus, je peux m'écarter, d'accord? Ou il me suit, je peux sortir normalement en prenant bien l'écran et en gagnant juste un petit temps d'avance. Ouais? C'est bon ça? C'est un cap compliqué à passer. Si vous ne pigez pas, on peut rester jusqu'à 22h30, je m'en fiche. C'est super important les écrans. La lecture sur les écrans, et là il n'y a pas le change, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est le basique. Ok ? Ce qu'il faut d'abord intégrer, je suis peut-être allé trop vite en vous parlant tout de suite de ce que devait faire l'intérieur et tout ça. Déjà, raisonner extérieur. Je suis joueur extérieur. Ok ? On me suit, je peux curler, je peux continuer. Ok ? On passe au-dessus. Là, en l'occurrence, on glisse, je m'écarte pour agrandir la distance d'aide. Ça, vous vous souvenez, hein, c'est des vocabulaires qu'on a. Hein. C'est bon? Après, c'est la même logique. À chaque fois que je reçois la balle, je m'oriente le plus vite possible face au cercle. J'utilise ce que je veux avec mes pieds, d'accord? C'est simultané, engagé, effacé. Ok? Et puis après, il y a la gestuelle de tir et tout ça. Et après, au niveau du dessus, on commence à voir, bah, si je fais ça à l'intérieur de l'idée, je fais comme ça. Voilà. D'accord, on est peut-être allé trop vite. À un moment donné, il faut repasser sur ça aussi. Est-ce que c'est bon? Ouais? Alors, on reprend. Je le fais exprès, hein, mais tant pis. Appel de balle. Jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut partir de l'autre côté. Il peut partir par là pour revenir ici, passer un appui sur passé et accélérer. Je peux tout de suite demander la balle, passer un appui, déjà prendre un avantage. D'accord? Je passe épaule contre épaule. Quand vous allez passer à l'examen, vous devez le dire obligatoirement. Vous utilisez l'écran, vous passez épaule contre épaule. Ok? L'écran se pose dans un certain espace. Ça, c'est important. Repérez-vous à ça. La défense suit, je peux curler. Je peux ressortir simplement. La défense passe. Je peux avoir un contact ou pas. Moi, je préfère qu'il y ait un contact, parce qu'au moins, ça réveille l'intérieur. Okay, je peux m'appuyer, reculer. Sur le premier pas de recul, généralement, la passe arrive et après, je peux jouer. Et pareil, je m'organise pour prendre le tir le plus vite possible. Être face au cercle et être dangereux. Ok? C'est bon ça? Ouais? C'est plus simple quand je vous le dis comme ça? Ça, c'est ce que vous devez savoir. Après, ce qui se passe avec l'intérieur, il faut jouer ou il faut le faire vivre à ses joueurs pour bien le piger. D'accord, retenez que dans le petit jeu, on passe à terre, on passe au B. Et voilà. Ça marche ça? Ouais? Dites-moi hein, comment je peux vous aider par rapport à ça un maximum. Est-ce que vous voulez le vivre sur le terrain? Ouais, non? Là en gros, on n'a pas vu ce qui était tir sur écran après, enfin pour les intérieurs. Comme tu as dit, c'était plus compliqué, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on fait. Si! Même tu chose. Peux faire exactement ce que je t'ai montré, c'est-à-dire tu t'emmerdes pas, tu fais. Tu passes,
l'écran ici. Ouais, je peux ouvrir derrière. L'intérieur ici, il reçoit au poste, ouais. Côté direct. Tu vois Tu peux même faire cœur, il reçoit petit ou. Voilà, il reçoit, il y a la main devant, il reçoit à 3 points, donc c'est un poste 4, parce que dans leur tête à eux, un poste 5, c'est un peu direct. Et voilà le tir. D'accord Après, ce, le coup, je suis intérieur, je vais en plus des cartes. Un peu plus rapide, ok. Ou tu peux, on fait aussi l'exercice, on travaille aussi ce petit bout de cœur là, on prend, on lève, boum, et prendre. Que ça, ça existe aussi. Ok l'exercice qu'on va refaire parce que ça va vous servir après, vous avez le tir après fixation passe. Ça tire, ça tire.
plie d'abord. Voilà, la plier. Bien. Ballon bouge, je bouge. Ok, c'est bon. Dernière évolution. Jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu? Oui, on attaque les défenseurs. Un peu la logique, ok. Si vous avez déjà amené tout ça en 3 contre 0, 3 contre 3 se passe moyennement. Normalement, c'est dans la filmer. Ok, on a vu les différentes positions sur les layups, c'est du revu. Ça, normalement, c'est acquis. On a vu les tirs extérieurs en sortie d'écran. On se prend pas la tête, on voit ce type d'écran là, écran sortant. Ok, pour les intérieurs, vous avez l'écran diagonal pour la remontée, c'est très bien. D'accord. Ou vous avez l'écran rentrant, UCLA cut, pour le bump et la sortie sur le... Sur les intérieurs, tu pourrais pas faire l'écran... Alors, si tu veux penser à cet écran-là? Ouais. Pour qu'il vienne prendre sa place préférée. Ouais, exactement. Le problème, c'est que quand tu fais un écran comme ça, ça... Ouais. On le verra, hein, pour l'intérieur. Tu fais un écran comme ça, le but pour l'intérieur, passer épaule contre épaule, de laisser son grand dans son dos pour recevoir la balle près du cercle. Tu vois, ça m'embête de vous dire qu'on fait un écran comme ça pour un intérieur, pour le faire recevoir la balle ici et tirer. Parce que c'est pas la réalité des choses normalement. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire aussi ce qu'avait dit la dernière fois au colloque. Tu sais, l'ailier, c'est lui qui va faire l'écran. Enfin, l'intérieur, il porte l'écran.